Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo produit terminé, encore. J'en ai pas beaucoup, essentiellement des compléments, un petit peu de beauté. Commencer de suite. Donc là, on est au mois d'août et ça correspond typiquement aux produits du moment. Alors, on démarre avec de l'encens. Donc celle-ci, je l'avais achetée à l'ancien Babou. Je crois qu'ils ont changé de nom. Il m'a échappé. Donc de l'encens, moi, alors c'est des produits à respirer qui sont pas top. Je le sais, j'en suis consciente. Donc quand j'en mets, pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ouvre les fenêtres vraiment de partout. Moi, j'utilise plus pour le côté un petit peu spirituel, pour le côté un petit peu nettoyage des énergies, pour le côté un petit peu revigorant dans la maison, hein, essentiellement. Celui-là était pas trop mal. Alors, je sais plus si on peut le retrouver. Honnêtement, je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc, c'est le Nag Champa, mais vous pouvez en trouver ailleurs, hein, bien sûr. Il est très connu, celui-là. Spéciale méditation, mais voilà, vous pouvez également le mettre avec une intention aussi. Il était vendu avec son support d'encens. Voilà. Ensuite, on retourne sur des produits. Alors, on va passer les compléments et à la fin de la vidéo, je vous présente tout ce qui est beauté. Alors, au niveau des compléments alimentaires, donc j'ai presque terminé, mais là, la date est passée. C'est un complément de vitamine B. C'est un complexe global de la marque Solgar. Cela, ça fait très longtemps, très très longtemps, facile 2 ans. Je l'avais acheté suite à une consultation avec une naturopathe qui m'avait entre autres prescrit ce complément suite à mes dérèglements hormonaux. Et le Zym Sifuga. Voilà, donc il y avait les deux dans les recommandations, on va dire. On ne va pas parler de prescription puisque c'est pas médical. Voilà, donc je les ai pas tout à fait terminés, mais sur les deux, les dates ont dépassé leur échéance. Toujours au niveau des compléments, alors moi, là, je vais vous montrer un super complément que je trouve vraiment top pour tout ce qui est détox, reminéralisation, et c'est très souvent ce que je prends assez régulièrement. C'est de la marque Les Artistes de Nature. Ça, c'est une marque que je connais depuis 15 ans au moins. Ceux-là, je les adore. Donc, c'est l'élixir du Père Jean. Donc, vous allez sur le site directement où je vous linkerai. Honnêtement, ils sont vraiment très très bons. Vous avez l'élimination et vous avez le reminéralisant en fer en cure de printemps ou d'automne. Il contient, alors je crois l'élimination contient de mémoire de l'obliétiol et ça va venir vraiment travailler sur l'ensemble des organes émonctoires, peau, rein, foie. C'est vraiment un bon complément assez utile, je trouve. Ça permet vraiment de nettoyer en profondeur. C'est de la gémothérapie, donc c'est sur une base alcoolique. Élixir, voilà. Vous avez du cassis, du tilleul, du sureau. Voilà, vous mettez 30 gouttes dans de l'eau ou dans de la tisane avant ou après les repas. Donc, un jour sur deux, un coup, vous mettez l'élimination, le lendemain, le reminéralisant, puisque quand on élimine, on a besoin de se reminéraliser également en parallèle pour éviter une trop grosse fatigue, parce que l'élimination, en général, ça fatigue. Donc, top, vraiment, ces deux produits, génial. Après, vous pouvez simplement utiliser de l'obliétiol, c'est moins cher aussi. Et c'est aussi efficace, mais voilà, là c'est un mélange, je trouve, qui est très très bon. De la chlorophylle, donc là c'est pareil, la chlorophylle c'est top pour tout ce qui est digestion, pour reminéraliser le corps aussi. Donc c'est de la marque Solaré, chlorophylle x20, ça c'est une bonne marque. Vous pouvez retrouver aussi pas mal de choses intéressantes sur la chlorophylle sur le net, mais il faut choisir quand même le bon labo. Et il contient celui-là, un arôme naturel de menthe. Donc je le rachèterai, je l'ai pareil, il est arrivé en. Je l'avais mis de côté, alors enfin je ne sais pas trop pourquoi, alors qu'il était vraiment très très bien.
Et on va terminer par de la vitamine D3 couplée à la vitamine K2, qui n'est pas forcément indispensable, de la marque NutriPure. Vitamine D3, moi, c'est à l'année. Idéalement, faites une prise de sang avant. Bon, je ne l'ai pas faite, mais bon, je le sais très bien, travaillant dans un bureau quasiment à l'année, donc je sais, voilà, je ne prends pas trop le soleil, donc je sais où je suis en déficit ou en carence. Ça, je le sais en fait sans faire de prise de sang. Mais voilà, l'idéal étant quand même de faire une petite prise de sang avant. Et je crois qu'elle coûte pas très cher. Elle est aux alentours de max 15 euros la prise de sang. Et vous la faites sans passer par un médecin. Vous pouvez y aller directement au laboratoire. Les normes, alors faites attention parce que vous avez les normes labo et les normes de santé. Donc il faut pas se fier aux normes labo, c'est-à-dire aux documents en fait que vous allez recevoir, enfin qu'on va vous donner. Et je crois de mémoire qu'il faut avoir 50 à 60 milligrammes ou nanogrammes, enfin quelque chose comme ça. Ça étant vraiment les normes de santé. Voilà, bon après il faut un petit peu fouiner pour avoir le bon dosage. Donc NutriPure, je vous linkerai également en barre d'infos. Lui, il est top. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je l'ai racheté et je suis en cours d'utilisation. Au niveau de la beauté, j'ai trois produits à vous présenter. Alors je suis passée à une routine extrêmement minimaliste depuis très très longtemps et c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Donc j'ai terminé mon déo peau sensible de la marque Clémence et Vivien. Celui-là, je l'adore, ça fait 5 ans que je tourne avec. Je n'ai jamais changé depuis toutes ces années-là. Je prends celui au parfum vanille, donc sans huiles essentielles. Bon, il sent très très bon. Bon, voilà, hein, toujours en format peau, etc. Bon, là, je me suis plus qu'habituée, hein, évidemment, au bout de tant d'années. Et très efficace, il sent très très bon. Voilà, aucun souci avec celui-là. Il a fait ses preuves et si je l'utilise encore et encore et encore, c'est qu'il fonctionne bien. Ensuite, j'ai terminé de la marque Oden. J'avais acheté des petits échantillons et là, je viens de terminer celui à base de l'huile végétale de chanvre aussi, qui sent pas très très fort la chanvre. Voilà, huile végétale simple, correcte. En petit format, ça me permet voilà, de les utiliser assez rapidement. Que j'utilise le soir avec. J'ai une routine, vous allez voir, extrêmement minimaliste. Et est-ce que ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo dessus? Pourquoi pas? Hein, dites-le-moi si ça vous intéresse. J'utilise, oups, pardon. Là, ce produit-là, donc de la marque, donc c'est la marque Asea et c'est le Renu 28. Alors, vous n'allez pas le trouver. Entre guillemets, facilement. C'est pas un produit qui se vend comme ça. C'est uniquement un produit qui se vend par recommandation. Donc voilà, je vous en parle parce que j'ai énormément de recul dessus. Ça fait 2 ans que je l'utilise quasiment non-stop. J'ai fait une pause l'année dernière de quelques mois. C'est une crème couteau suisse. En fait, c'est un gel vraiment plus spécifiquement. Donc là, c'est, vous voyez, j'utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte. Il coûte de mémoire 45 euros. Vous y ajoutez les frais de port. C'est un produit américain, breveté. Vous n'allez pas en trouver d'autres de cette catégorie-là. C'est un gel qui va venir pénétrer au niveau de l'hypoderme, donc qui est la troisième couche de la peau. Alors, on dit que la peau a 7 couches, mais il va vraiment pénétrer tout au fond en fait de la peau, ce qui fait que vous allez avoir une sensation de tiraillement de la peau, ce qui est tout à fait normal parce que le but c'est pas de l'utiliser seul. Je vous ferai un petit topo plus détaillé de ce qu'il fait parce que je ne l'utilise pas uniquement sur le visage, je le descends évidemment au niveau du cou, mais si vous avez des piqûres d'insectes, il est excellent. Si vous avez des tendinites, c'est pareil. Si vous avez mal dans le corps ou que ce soit, il va venir agir en l'espace de 10 minutes. La douleur diminue énormément. Il soulage vraiment beaucoup. On peut l'utiliser également au niveau de la chute de cheveux, donc sur le cuir chevelu. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Ça sera ma prochaine étape pour diminuer ma chute chronique de cheveux. Et bon là, vous voyez, j'ai l'échantillon. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant de commander, alors comme c'est un site américain, ça peut être un petit peu complexe, etc. N'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Je vous expliquerai voilà, comment faire.
Donc, vous allez le voir tout le temps, en fait, ce produit. Écoutez, voilà, c'est terminé. Je ne vais pas faire plus long parce que j'ai peu de temps de disponible du point de vue technique. J'essaierai de revenir assez rapidement en vidéo. Je vous embrasse. Prenez très, très grand soin de vous et je vous dis à bientôt.